Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour, bienvenue sur MTGQ. On coupe ça au montage. Mais non, c'est une blague, là, voyons. Aujourd'hui, on s'amuse avec des boosters d'Ultimate Master. Là, moi, capotez pas, je couperai pas les cartes, mais allons que j'aime pas ça les ouvrir, donc je triche, je me fais une petite coche. On dirait quasiment qu'ils ont été faits pour ça, tellement qu'il y a du lousse dans les sacs. Et voilà. Donc, allons-y. On a-tu une mythique aujourd'hui? On a-tu une bonne carte foil? On sait pas. Ah oui, celle-là, définitivement, on en a besoin. Bon, on n'a pas les résurrections foil. Oh! Enchantum. Hey, c'est drôle, mais dans la séquence des sorties des vidéos en ligne et de nos tournages, c'est sûr que en tant que producteur, animateur, réalisateur et tout ce que vous voulez, c'est nous autres qui le contrôle là-dessus, mais je me suis fait sortir Tinker au deuxième tour grâce à la laine artefact et Ancient Tomb, et j'ai quand même gagné la partie. Puis là, si mon ami qui se reconnaît en écoutant la vidéo, ben je dis « Salut, mais pas assez fort. » Alors, un gros verre. Un mur. Non, c'est pas un mur. C'est un defender. En tout cas. Pas sûr qu'il y ait grand chose à faire avec ça. On continue. Ah, j'ai pas coupé assez loin. Quasiment plus dur, pas trop passer des cartes que. Bon. Un autre foil. Hein? Et après? Ouais, ok. Fauna Shaman. On va repasser sur celle-là. Ouais, ok. Un petit peu de classement pour continuer. Alors, on se résume que Ancient Tomb, youhou, Fauna Shaman, bof. Et comme ça, ça va bien. Ah ben oui, celle-là, Spark Elemental 3-1. Ah, c'est un token, hein? Je dis, mais il existe cette carte-là. Mais non, on sait que c'est un token de la première carte. Hein? Alors, bon, une commune foil. Ouais, ok, mais encore. On fait ça comme ça. C'est bon ça? Moi, j'ai une face étirée à côté de moi. Alors, Phoenix Tower. Wouhou! Ça peut aller avec... on sait que les decks de rouge et... pas de rouge, de noir et vert, avec les productions de créatures, etc. Bon, ben... Yeah. Puis ça. Ça. Est-ce qu'il y a une uncommon qu'on cherche? Y a-tu des uncommon? Là, tout le monde dit, ah, mais Kitchen Fink, je dis, non, Kitchen Fink, il ne vaut plus rien, parce qu'ils l'ont réimprimé dans. Tu sais, il ne vaut plus rien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça a monté de prix. Anyway, là. Mais c'est parce qu'il y a un deck à un moment donné qui a gagné quelque chose en tournoi, puis qu'il y avait cette carte-là dans le même deck 4 fois, c'est à peu près rien que ça. Allez, go. On comprend ici que vert et blanc, ce ne sont pas mes couleurs préférées. La fameuse carte qui veut pas rester à sa place. Bon. Ok, c'est blanc. Qu'est-ce qu'il y a dans le blanc, là? Qu'est-ce qu'on veut dans le blanc? Y'a-tu quoi dans le blanc qui vaut à peine? C'est pas du blanc. C'est quoi, ça? C'est pas du blanc, c'est du incolore.
Incolore, c'est l'absence de couleur. Ça, ce n'est pas une couleur. Bon, lui, là, Kozilek. Ouais. OK. Quand on le casse, on pige 4 cartes. Annihilator 4, ça, c'est à chaque fois que la créature attaque, ça sacrifie des permanents. Puis, quand il va dans un graveyard, on leur brasse dans la librairie. Pas méchant. Pas méchant, hein? Pas méchant. En commune, maintenant. Bon. Ouais, quand je vais reconnaître une carte que j'ai jouée dans... C'est une vieille qui n'a pas encore été réimprimée ou que j'ai été jouée beaucoup, pas nécessairement de la value monétaire, mais je vais m'exclaffer. Mais là, si je dis rien, c'est parce qu'il n'y a rien à dire. Bon, ce que ça dit, là, cette belle petite série ici, là, je pense qu'on pourrait encore faire ça comme ça, puis faire ça comme ça. Puis, si on fait ça comme ça. Pas si pire. Pas si pire. Bon, mais coudonc, nos séries de 4 boosters ont l'air de porter fruit. On se revoit sur une prochaine séquence. Cheers!